tout le monde. Je viens pour continuer à ouvrir le calendrier de l'Avent. Je vais ouvrir du 5 au 8. Alors, j'ouvre la case numéro 5. Et là, il y a un eye primer. J'ai envie de sentir le tout, mais je peux le sentir. Le 5, comme vous pouvez le constater, un eye primer. La case numéro 6. Wow! Un beau pinceau. Je vais le tirer avec les poils. Les poils sont toutes douces. La case numéro 7. Elle est là. C'est quoi ce truc? Alors ça, je sais pas c'est quoi. Hein? Un clean lip gloss. Et la dernière case que je vais ouvrir, c'est la 8. Un petit pinceau. Ça tombe très bien. Bon. J'ai du mal à le faire sortir. Voilà, je suis obligée de tenir comme ça. Un petit pinceau. Voilà. À lundi pour la suite. Bye bye. Coucou tout le monde, me voici aujourd'hui pour ouvrir les prochains jours du calendrier de l'Avent. Alors, je vais ouvrir la case numéro 9. Si j'y arrive, bien sûr. Un rouge à lèvres. Ouh là là, la couleur. J'espère que ça viendra. La case numéro 10. J'ouvre la case numéro 10 qui est en bas. Alors, c'est un gel à sourcils. Très beau. Marron, hein? Il est marron, brown, gel à sourcils. Après, on fait deux. Je vais ouvrir la case numéro 11. Si je la trouve, elle est tout en bas là. Elle est là. Alors là, c'est un mini shadow palette. C'est bien. Je vous montre les couleurs de près. Elles sont très jolies. Avec même des brillants à l'intérieur. Après, je vais ouvrir la dernière case qui est la case 12. Qui est là. Il n'y a rien dedans. Elle a disparu. Bon. La case numéro 12 n'est pas là. Je ne sais pas si elle est tombée, mais elle n'est pas là. Ah non, elle est là. C'est un miroir. J'ai eu peur.
C'est un miroir. Mais t'es sûr qu'il y a pas autre chose? Voilà. Alors je vous montre les quatre. Fard à paupières, rouge à lèvres, les fards, les murs, il y a plusieurs trucs à l'intérieur, ça. Et le petit miroir que je vais pouvoir mettre dans mon sac. Voilà.